cette session assez particulière. Première vidéo d'une série de vidéos, on va dire expérimentation. Donc en fait, j'essaye un peu différents effets sur un logiciel qui s'appelle Reaper. Donc par avance, je vous demande de m'excuser pour certaines manipulations qui pourraient s'avérer hasardeuses ou différentes de d'habitude, car je ne connais pas bien encore ce logiciel. Essayer trois effets d'écho différentes. En fait, quand on dit écho, il y a deux effets distincts, j'ai l'impression, dont on parle. Donc le premier, c'est le délai. C'est un effet qui fait que quand je vais dire un mot, il va y avoir le même mot qui va être répété une ou plusieurs fois avec un certain délai. Donc c'est l'effet de délai. Et le deuxième effet, c'est la réverbération, qui fait que quand je parle, on va avoir l'impression qu'on est dans une caverne, et effectivement qu'il y a un écho qui nous revient, mais ce n'est pas purement de la répétition de mon mot, c'est plus comme si le son se perdait dans l'immensité d'une caverne. Donc, nous allons aujourd'hui, je vous propose en premier un effet de délai, en deuxième un effet de délai, mais poussé plutôt loin, et en troisième un effet de réverbération très accentué, comme si on était vraiment dans une caverne ou dans les mines de la Moria, pourquoi pas. Donc, comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, je vous invite très fortement à commenter cette vidéo pour me dire s'il y a vraiment un effet qui vous a vraiment plu, ou alors un qui vous trouvez un peu bizarre ou qui ne va pas trop avec l'ambiance que je donnais en ASMR, ou que vous aimez pas trop par rapport à ce que vous attendez de l'ASMR. Ceci étant dit, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, si vous avez le temps, à vous abonner à ma chaîne, car ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup les amis, cœur sur vous. Je pense que les bruits de bouche
sur la répétition et espèce de, je sais pas, un truc qui rentre dans notre tête et qui vraiment nous met dans un état de relaxation totale. Vraiment plus axé trigger, on va dire peut-être. Et le dernier un peu plus axé sur